Coé a le pouvoir de te faire voir la radio. C'est fort. Le début de cette émission, je vois des gens qui courent. Oui. Des gens qui reviennent, des gens qui me disent ça rentre pas, des gens qui me disent ça a pété, ça machin et tout. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer réellement le problème qu'il y a depuis tout à l'heure? Eh bien, le chef de nos stagiaires va venir s'exprimer. Qui parle? Qui parle? Je ne sais même pas s'il y a un chef des stagiaires. C'est lui qui parle le mieux. Enfin, c'est le seul qui stagiaire de 47 ans, il serait temps de faire quelque chose un jour. Alors, on y va. Donc, on a essayé plusieurs solutions pour avoir des belles testicules de géant vert. C'est marrant là. Moins fier que je suis DJ. Faut pas que je m'amuse, je sais pas quoi là. Donc j'étais chercher du sperme un peu partout dans Paris. Je viens d'arriver. D'ailleurs il y a eu une belle échec facial. Il y en a partout. Ce qu'il faudrait, c'est juste aller voir les toilettes. Il y en a partout. On n'a pas la radio. Vous avez tout pourri. Parce que non seulement je vous explique les coulisses de l'émission, mais que non seulement ils n'ont pas réussi. Mais ils ont bouché toutes les chiottes de l'étage et ils ont réussi à rien faire. C'est ça. Je propose qu'on y aille. Au moins, si c'est pour eux, on pourra dire. Et si vraiment c'est merdeux, c'est vous qui prenez. Waouh. Là, moi j'aime bien. Là où ma chico aussi. Bon, on a déjà tout pris dans les toilettes. Non, regarde, attendez, pas trop goûte, je sais rien. Je mets mon écharpe. Ah, non, mais allez voir ce qu'il fait froid. Regarde, si j'avais fait, je l'aurais fait à poil. Alors donc, ça c'est les couilles du petit verre. On est d'accord que les ballons là. Qu'un enfant de 3 ans réussit à remplir avec de l'eau, du lait. Exactement, tu as raison. Donc vous avez mis 3 heures pour faire 2 ballons pourris, voilà. Un ballon un peu plus gros. Bah celui-là, il est pas mal à la limite. Et le reste, vous nous avez fait. Et ça, c'est des sacs poubelles. Et vous nous avez fait croire que ça allait être les couilles du géant vert. Exactement. Comment, je t'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Moule? Jean-Moule n'avait pas parlé depuis tout à l'heure, Jean-Moule. Non, mais ça, c'est stylé, je trouve. C'est de l'art. Ils essaient de rattraper le truc. Comme de l'art, en fait. Sachant qu'à la base, c'est une idée de Justin. Notre responsable. Bon. Ah, la salaud, moi j'alignerai devant. Moi devant, j'alignerai Jean Moule. Moi j'alignerai. Ah, bon, Ludo, il a compris. Alors, il se fout en caleçon. Moi j'alignerai Ludo. Jean. Ah, ça ne perce pas en non, plus. Non. Il faut. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous enlevez votre pull place, enfin. Au cas où quelqu'un a un briquet. Il enlève son slip. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il soit à poil. Oui, Ludo. Mais ça ne pète pas. Je l'ai envoyé par terre, mais ça ne pète pas. Non, mais. Attends, mais si, il a raison, là, il y a une solution. Attends, nous allons essayer. Ça ne marchera pas comme ça. Comment, qu'est-ce qui. Attends, mais j'ai essayé un ballon, mais par contre, leur bombe à eau. Les stagiaires. Jean Moule, tu veux garder ton t-shirt des Beatles? Qu'est-ce qu'ils disent? Il est très bien. J'ai l'impression que je n'arrive pas à faire ce que je veux et à faire. L'impression que ça ne va pas claquer facile, ça. Oh, vous êtes prêts, les gars? Vous êtes chauds, là? Non, c'est gelé. À mon avis, c'est pas très attaché, hein. Tu peux y aller. Hein. Pietre, tu devrais te pousser. Oui, je vais me pousser un peu, moi. Voilà. Ah, putain, ça marche. Oh, attention, ça marche. Il faut me renvoyer le petit qui est là-bas, voire même. Voilà, supposons me renvoyer le petit qui est là. Il y en a pas mal quand même. Voilà. Il y en a 5, 7, je crois. J'ai l'impression. Ça va se payer, les gars. Attends, non, je vais d'abord essayer voir si je lâche comme ça, ce qui se passe. Si par exemple je. Voilà. Non, ça ne marche. Alors, je vais donc monter sur cette table. Est-ce que ça glisse ou pas? Oui. Fais gaffe quand même. Mais alors, la table tient. Tenez-moi le micro. Putain, pourri ma veste. Les bombes n'explosent pas. Ne tombe pas. Le stagiaire de venir en dessous. Voilà, venez en dessous, viens en dessous. Mika, Mika, Lyon est avec toi. Attention. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il va prendre l'équivalent d'une couille complète de 12 litres. Le géant vert avait des grumeaux dans les testicules. Maintenant, nous passons par Ludo. Ah, Ludo. Lui s'est mis complètement nu. Celui qui est DJ. Ludo, tu es quoi? Tu es DJ. Ah, on a bien entendu l'eau là. C'est bon. Jean-Moule, le cambrésien de l'année. Tu veux pas enlever ton pantalon, Jean-Moule? Allez. Le cambrésien de l'année, Coco. Ah ouais, Jean-Moule, cambrésien de l'année, mais alors pas le bronzage de l'année, par contre, si tu m'en veux pas. Ouais. Bah, elle est cambrée, hein. C'est marrant, t'as les gougouttes en goutte d'huile. T'es tout maigre et t'es. Bon, allez, c'est pas grave. Vas-y, mets-le au-dessus. Baisse la tête. Voilà, baisse la tête, t'as l'air d'un coureur. Au-dessus, plus haut, Jeff, si tu peux. Plus haut. Baisse-toi un petit peu. Voilà, Avance-toi, Jean-Moule. Voilà. Jean-Moule, avance-toi. Je sais pas ce que vous avez mis dedans là, mais c'est gerbant. C'est froid? Je pense que c'est très froid. Oui, c'est très froid. Avec ma main, c'est très froid. Voilà, on est bon, moi, ça m'a coûté aussi une veste dans l'histoire. Est-ce que tu pourras leur annoncer qu'il n'y a pas de serviette, il n'y a rien pour s'essuyer? Ah, pardon, on a oublié de me dire, il n'y a aucune serviette dans tout énergie. C'est bon ça. Voilà. Très bien. C'est sadique, eh bien, écoutez, je pense que ça leur servira de leçon. Oui, parce c'est que très bien. Il est minuit. Il manque Justin. C'est pas faux. Ah oui. Oui, Justin. Justin, il en reste une. Oui, Justin.
Il est à l'intérieur. Ils sont allés le chercher, ils sont allés le colorer. Donc je voudrais dire que non seulement pendant que les auditeurs vont écouter Guillaume après, eux vont nettoyer tout le trottoir. Exactement, et les toilettes. Ainsi que déboucher toutes les chiottes du rez-de-chaussée qui sont bouchées de je ne sais pas ce que c'est, une espèce de mozzarella pourrie là, qu'ils ont acheté, du plâtre, de la farine, je ne sais pas. Ouais. Et pendant ce temps-là, nous cherchons Justin qui ne veut plus venir. Justin, t'as galéré un peu quand même, Justin. Voilà, viens Jeff. Jeff nous amène Justin comme sur un plateau. Qui est volontaire, comme on peut le voir. Ah, c'est bien, il se voilà, Justin est extrêmement volontaire de ce qui arrive. Quelqu'un peut venir aider Justin? Voilà, est-ce que quelqu'un peut aider à prendre... Alors, le problème, c'est que Guéguette, il est gaulé, comme c'est pas permis, c'est pas lui qui va aider. On vient de récupérer Pierre, ils essaient de récupérer Justin, voilà. Il faudrait le mettre en dessous. Ce serait l'idéal. Mordez-lui la main. Voilà, vous avez le droit de lui tirer. J'ai un couteau. Je peux lui couper les doigts comme dans les films. Comme ça. Voilà. Très bien. Donc pendant ce temps-là, il y a le monsieur de la Sécu qui se dit mais est-ce normal ? Oui, il ne souffre pas. Il est cascadeur, c'est son métier. Il essaie de s'accrocher. Voilà. Jeff, il veut le faire là. Il préfère le faire là. Très bien. Alors tenez-moi mon micro. Puisqu'il préfère le faire là. Il y a pas de souci. Tu es où là ? T'es où ? Non. Qu'est-ce qui se passe? On entend bien là. Je pense que ça y est. On y est. Qu'est-ce qui se passe, dis-nous? Justin a donc. Ça y est, il a pris. A donc payé. Moi aussi, d'ailleurs, mon jean, mais on ferait mes fringues. Tout a payé aussi. Ah bah super. Et puis, c'est Jeff que tu devrais taper, pas moi. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit. Oui, bonne nuit. Je rappelle que ce n'est pas de la nourriture avec laquelle nous avons joué, mais des aliments, bien sûr. Avariés. Oui. Ça n'est pas du lait, mais c'est je ne sais pas quoi. De l'eau avec je ne sais pas quoi. Et maintenant, les mecs sont partis pour nettoyer jusqu'à 3h du matin. Si vous passez rue Boileau, merci de leur dire bonjour, parce qu'à mon avis, ils vont frotter pendant un bout de temps. Et ensuite, il s'occupe des chiottes. Ça va, Justin ? J'ai pas entendu. Il a dit quoi ? Tu as dit, pardon ? Salut ! Il y a de l'eau. Ah oui, bien sûr. Il y a de l'eau. Allez, je vous embrasse. Et bisous, Coco. À demain. Bisous, tout le monde. À demain, vendredi. Ciao, je vous fais bisous. Ciao. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Koé.